Hey la tribu! Comme promis, une petite vidéo de présentation de notre camion aménagé, GG, Gérard, on avait dit. Donc voilà, tu fais un petit coucou peut-être? Salut la tribu! C'est moi qui filme! Ouais. Donc du coup, Gérard est un camion Mercedes, un 8 tonnes de 140 chevaux. Il est de 1991. Voilà. Donc c'est un ancien camion de motocross hein, qui a fait les championnats du monde de... Non, pas de motocross, de sidecar cross. Donc il était aménagé pour 6 personnes avec une partie habitation, une partie atelier, mais ça ne nous convenait pas. Et puis nous, on a tout viré dedans, tout saqué, on a tout refait l'isolation. Donc voilà, on va... On va rentrer. On va faire la visite. Ouais. Donc on a été jusqu'au plancher d'origine et on a fait un faux plancher pour pouvoir ranger les chaussures, pour avoir une petite entrée justement pas que les chaussures gênent. Et puis pour passer aussi les tuyaux, les ouais, câbles. Voilà, bah, tout ce qui a été quand tuyaux, on a aménagé. Tout ce qui a été tuyaux d'évacuation, d'eau, tout ce qui est tuyaux d'alimentation. Ouais. Salut, salut. Ouais. Donc voilà, après tout ce qui a été aussi, tous les rangements, hein, si on peut dire, dans le hop, les rangements, du coup ça fait pas mal de rangements un peu partout. Hein. On a fait des espèces de soudes, des trappes là, partout. Hop, voilà, un petit peu de rangement partout. Ah, j'en profite, il y a le poêle. Ouais, il y a le chauffage, ouais, voilà, on a en mode de chauffage, on a le poêle à bois. Et on a aussi un Webasto, un chauffage au gasoil. Voilà, donc là on est dans la partie un peu pièce à vivre, avec la cuisine, l'évier, avec comme un évier de maison, hein, tout pareil, une gazinière, un frigidaire, voilà. Attends, je vis sur la gazinière. Ouais. Et puis du coup, avec pas mal de rangements, alors c'est beaucoup de la récup, on n'est pas bricoleur, on n'est pas professionnel. Eh les zouzous, on est en train de faire oui. Donc on n'est pas bricoleur, y a certainement des défauts, des trucs pas droits, des vis qui dépassent. Mais on s'en fiche, on est bien dedans. Mais voilà, c'est chez nous, ça nous plaît, ça nous va. Je vous montre un. Ouais, alors ici, on a la machine à laver, hop là. Et puis là, une petite penderie. La penderie, ici, ouais. Hop. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, les rangements, voilà, hop, on a... Ouais, les petits rangements là pour mettre les légumes, qu'est-ce qu'on a, voilà. Ensuite. Voilà, la cuisine. Ensuite on a la salle là. Alors en fait, on a gardé la banquette. Ouais. La banquette est. On l'a juste rapprochée, ouais. On l'a rapprochée pour gagner justement un peu d'aménagement. Parce que elle a été faite pour 6 personnes en fait. 6 gaillards. Ouais, 6 ouais, motards. Et donc ici, la banquette est à cet endroit-là. Dans l'angle de la banquette. On avait la. Salle de, où il y a le, l'évier, on avait la douche. Dedans, là où il y a l'évier. Ouais. Voilà. Là, on avait des rangements. Des rangements. Là, il y avait des rangements aussi. Ouais, il y avait un évier, une gazinière et tout ça ouais. Ici. Il y avait la banquette et là, ça donnait en fait sur les lits. Nous, ouais. On a fermé. Il y avait des compartiments lits ici qui étaient ici. Voilà. Donc, nous, on a tout enlevé. On a tout enlevé. Et là où il y avait à la base l'atelier, on a continué à aménager. Voilà. Voilà, tu peux avancer. Donc là, notre chambre. Notre chambre, notre couchette. Notre couchette, ouais, c'est pas vraiment une chambre, que des lits là. Hein. Hop, hop, et en dessous du coup. Et ouais, le lit est superposé et rehaussé, car dessous, on a tout ce qui est un peu technique. Alors là-bas, on a les batteries. Voilà, car on a les panneaux solaires. Batterie, la cuve, le vase d'expansion. Ouais, la pompe à eau. Voilà, on a tous les tableaux de électriques là ici là, avec les convertisseurs. 12 volts, ouais. Ouais, voilà. Voilà. Après, on a des panneaux solaires. Hein. Ouais. Voilà. Ensuite, on avance et on arrive. La prochaine pièce, c'est la salle de bain. La salle de bain avec une vraie douche, une douche traversante. Donc c'est une salle de douche. Une salle de douche. Parce qu'une salle de bain, il y a une baignoire. Ouais, c'est vrai, une salle de bain, une salle de douche. Avec un toilette sèche, au fond. Voilà. Ensuite, là, le chauffe-eau instantané pour avoir de l'eau chaude.
Voilà, mine de rien, pour la douche, c'est pareil. La petite douche, ouais, voilà, qui est traversante en fait, hop, ouais, et on revient. Donc c'est un couloir, hein, il fait 80. Ouais, oh, ça suffit, on y passe, oui, pas, les, on y passe pas les journées entières là-dedans. Voilà, ensuite, la chambre des enfants. Alors, ils ont chacun leur chambre, c'est cool, ils apprécient ça. Un garçon et une fille, des fois, un peu de bastringue. Donc voilà, donc là c'est en position nuit. Là ils dorment, hop, ils ont leur petit rangement, machin et tout. Et après, la planche, eh ben, elle se rabat. Bon, bah, je vais pas me le rabattre parce que. Voilà. Parce que à côté, pourrais, c'est. Je pourrais. C'est rabattu. Donc, on rabat la planche et ensuite, ça donne ça. Donc, on rabat la planche. On bloque le matelas ici. Et après, ils ont, bah, ils ont possibilité de bouger, d'aller venir dans leur chambre, là, avec leur rangement. Voilà. Du coup, les sols, bah, c'est bien, c'est que aussi, ils ont. Je sais pas si, ouais, c'est bon. Ils ont leur, leur rangement, là. On peut ranger tout ce qui est Lego, tout ce qui est jeu et tout. Voilà, au fond, le bureau. Ils ont un petit bureau là pour bah, l'école et la maison. Voilà. Et puis les rangements. Et après les rangements, bah, ça va être là, bah, ce sera pour mettre tout ce qui est vêtements, t-shirts, voilà, tout le bazar qu'ils ont à mettre. Bon, pareil, ils ont exactement la même chose de chaque côté. Voilà, ici derrière, bah, il n'y a plus rien. Le seul truc qu'il va y avoir, c'est le fameux haillon où on montait les sidecar cross. Donc ça, on l'a conservé, mais on a refait une isolation, on a refait une cloison isolée, avec une petite porte éventuelle, si un jour on descend le haillon, hop, il y a toujours un accès. Toujours un accès ici. Donc voilà, bon bah on a fait ça, on a fait ça de nos mains, on a bricolé, il y a 2-3 copains qui nous ont filé des petits coups de main pour des trucs comme la soudure et tout ça, voilà, on s'est filé... filer des coups de main, et sinon voilà, c'est un truc, c'est un camion qu'on a aménagé, on a mis ouais, une petite année quand même, une année à aménager. On faisait sur les week-ends et puis les, ouais, les week-ends, ouais, voilà. Et puis bah voilà, donc ouais, notre, voilà, future maison, demi-tour, notre future maison, là, ouais. Hop, voilà. C'est qui gagne? Moi. Ah, bah, je bon, bah, voilà, dans les trucs, donc c'est bon. Hop, donc, et voilà, on vous montre. On vous montre la vue pour l'instant. Pour l'instant, la vue, c'est pas trop ça. La vue, c'est la maison. La maison conventionnelle. Dont on a signé le compromis de vente il y a une, ouais, dizaine de jours. Une dizaine de jours. Donc là, bah, y a des démarches à faire et tout ça. Voilà. Donc y a plus qu'à attendre. Comme on est, y a des gens qui sont intéressés par la maison déjà. On est en confinement, donc ouais, du coup, on attend un petit peu de voir comment ça va donner au niveau des démarches. Ouais. Mais bon, le compromis est signé, donc on ne devrait pas tarder à pouvoir. Déjà, on a réussi à signer le compromis. Voilà. De passer exclusivement dans le camion. Voilà. Voilà. Bon, bah, on espère que cette petite visite vous a plu. Puis si vous avez des questions, bah, vous n'hésitez pas. Surtout. Ouais, des petits commentaires, c'est même, ouais, des idées de vidéos. Ça peut aussi. Ah, ouais, allez, ah, dans le camion. Entendu, il y a Capucine qui dit, ouais, des pouces. Les petits pouces. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut la tribu. Bonjour. Salut. Bye.